Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui me regardent et les nouveaux arrivants, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux arrivants, enfin de nouveaux abonnés. Donc bienvenue. Alors je vais peut-être me représenter. Je ne l'ai pas fait lors du dernier journal créatif, donc je m'appelle Sabine. J'habite en Normandie. Je suis professeure de musique dans un collège. Et là, j'ai pas, voilà, c'est pas la super grande forme parce que la journée de boulot, quoi. Donc, je vais remettre la lumière. J'avais mis la lumière, mais je ne sais pas pourquoi ça s'éteint. Bon, ça part fort. Voilà, c'est mieux, hein. Donc, cette fois, normalement, c'est vrai que je présente différents loisirs créatifs par partie. Et puis là, c'est pas vraiment un vlog, mais j'avais envie de venir vous voir un petit peu plus régulièrement. Donc, je vais vous présenter un petit peu mes petites réalisations depuis le dernier journal créatif. Je m'aperçois que j'ai déjà oublié quelque chose qui est dans ma chambre. Mais c'est pas grave, je ferai une petite coupure. Alors, on s'était quitté avec du gnome, le revoici. Le voilà. Dans ce gnome, je l'avais tricoté avec de la laine filée au fuseau. Ici, ici, là, ici aussi, tout ça. Ça s'est teint avec du colorant alimentaire. Et puis ça aussi, je me suis amusée. Voilà. Et puis ça fait bien une quinzaine de jours, hein, presque ouais, début novembre, puisqu'on est le lundi 15 novembre. Et puis ça me trottait dans la tête, il me restait des petits 20 grammes de filage. J'en ai fait un second. Alors le second, le voici, le voilà. Laine d'or plus frisée, hein, parce que là c'était vraiment du mauvais filage au fuseau. Mais alors qu'est-ce que ça fait la barbe? Elle est sympa. Alors, je vous montre son corps, puis son gros corps. Donc, j'ai fini les restes de ce corps-là. J'avais filé un petit peu, j'avais retordu en blanc et en noir, vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai fait des rayures avec cette laine. Tac, tac, tac. J'avais un reste, je l'ai mis là-dedans. Alors, évidemment, la tête, c'est comme l'autre. J'ai vraiment fini. La laine où j'avais été un petit peu avec des petits speckles, petites taches de jaune. Ça, vous reconnaissez le petit reste du bonnet du gnome. Je sais pas comment on appelle ces créatures, ils ressemblent pas à grand-chose. Et voilà. Et puis, j'ai tout filé mes 20 grammes de cette petite laine filée. Donc voilà, voilà les copains. Maintenant, il n'y a plus d'eau de que l'autre. On va leur montrer les fesses. Pourtant, j'ai fait les mêmes nombres de mailles et tout. Après, ça dépend, comme la laine, c'est voilà, c'est complètement irrégulier. Donc voilà, ça c'était le week-end. Je me suis vraiment quand même bien amusée. Bien que ce n'était pas super agréable à tricoter. Parce que j'ai tricoté avec du 4,5, c'était vraiment serré. Mais bon, il faut pour que ça tienne. Alors le modèle, je vous remettrai comment dire, la créatrice, hein, c'est Scanning Gnome, c'est un modèle que vous allez trouver gratuit sur Ravelry. Donc, Scandinome, voilà, style scandinave, normalement c'est Gnome de Noël avec un petit jacquard sur le chapeau. Bon, voilà, moi j'en suis pas encore à Noël. Enfin, oui et non, parce que justement, je vais enchaîner avec un tout petit peu de couture. Alors, au niveau de la couture, j'ai. C'est rien du tout, hein, c'est une bricolette. Je suis allée à Bouchara encore à Caen. Et puis j'ai acheté des petits coupons, des petits restes, des 50 cm. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit comment ça s'appelle? Un petit coussin portefeuille. C'est pour la copine de ma fille qui s'installe. Elle mettra ça par-dessus son coussin, un coussin si elle veut. Ou pas, voilà, c'est assez sobre. Et puis il y avait un autre petit coupon. Je viens de finir ça tout à l'heure. Donc ça, ce sera un petit cadeau de Noël. Donc j'ai fait un double rempli. J'ai fait des petites serviettes 32 cm sur 32 cm. J'ai fait un double rempli. Avec le reste, j'ai fait cette petite. Alors moi, je n'ai pas. J'ai une petite machine Singer simple qui ne fait pas de broderie. Donc bon, voilà, j'ai fait ça. Et puis j'ai entouré. Voilà, ça fait un petit cadeau fait maison pour Noël.
Donc oui, c'est quand même déjà dans Noël. Mais je suis déjà, en fait, je suis dans Noël pratiquement toute l'année parce que d'une année sur l'autre, je réalise des projets. C'est plus ou moins long. Donc ça, c'est de la couture. Hein. Et puis, je vous l'avais montré, mon petit chat. Il me restait une petite chute de ma chemise de nuit. Donc je lui ai fait un petit pyjama aussi. Au fait, je ne sais pas si vous avez regardé deux, trois épisodes avant. Je me suis cousu deux chemises de nuit, une en jersey de coton, une en jersey de viscose. Bon, la jersey de coton, ça, on est bien. Mais alors là, jersey de viscose, top, top, top. J'arrête, je vous reprends tout de suite. Je vais chercher le dernier ouvrage que j'ai réalisé ces jours précédents. Hein? Donc, j'ai bien sûr tricoté. J'ai pas retricoté le gnome depuis une quinzaine de jours. J'ai tricoté. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui va vous arriver. Une paire de chaussettes pour moi. Alors, quasiment complètement identique. Voilà, hein, quand même, on est bien dans l'identique. Avec la laine d'Action. Donc, toujours la même marque. C'est la marque Allison & May. Donc, 75%. Voilà, hein, c'est 75% wool, donc laine, et 25% nylon acrylique, enfin plastique. Alors, oui, c'est pas la plus douce, c'est pas la plus agréable, mais je voulais vraiment tester une laine à 1,99€ la pelote, voir ce que ça fait. On n'a pas toujours les moyens de mettre 20, 25 euros dans un écheveau, et voilà, ça passe à la machine. Alors, du coup, il me reste 37 grammes. Ce sont des pelotes de 200 grammes. Alors, c'est vrai que je ne fais pas une haute tige. Parce qu'avec les pantalons, les jeans un peu serrés, bon, c'est pas très pratique. Donc, je me suis dit, avec ce reste-là, je vais prendre. Ben là, de toute façon, j'ai pris ma recette des chaussettes, des choquettes Juliette. Hein. J'ai pas fait de point parce que, ben, avec la laine autoriante, ben, il n'y en a pas besoin. Et j'ai déjà fait des choquettes avec, ben, dans ma recette, en fait, on fait 12 rangs. On doit faire à peu près ça. Là, je ne vais pas faire. Je vais faire carrément juste un rang pour changer, peut-être deux rangs pour changer d'aiguille, passer du 2 au 2,25. Et alors là, par contre, j'ai fait du 2,25 et du 2,50. Je trouve que pour cette laine, c'est un peu lâche. Donc, la prochaine petite paire que je vais faire, je vais faire donc 2 et 2,25. Et je vais faire des choquettes pour mettre dans mes bottes, des bottines basses. Et il faut vraiment que ce soit. Ben là, aujourd'hui, j'étais en robe avec des collants. Ben, à la fin de la journée, j'avais froid aux pieds. Donc, vraiment, pour des petites bottines basses, vraiment faire juste des petites choquettes. Alors là, j'ai 37 grammes. Impeccable. J'en ai une autre teinte. Hein, vous verrez ça, ben, plus tard. Hein. Et puis voilà. Donc, ah oui, alors ben, j'ai un encours, un pull de Noël. Hein. Je ne sais pas si je l'aurais fini à Noël parce que ben, je ne comprends pas tout. C'est un jacquard. Enfin bon, je me lance là-dedans le soir. J'avance. Je fais quelques rangs tous les soirs. Donc voilà, ben, écoutez, on est à 3 minutes et puis peut-être 5-6 minutes avant. Je vais m'arrêter là, je reprendrai quand j'aurai des choses à vous montrer. Et puis voilà, ça change. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Et puis avant quand même, rappelez-vous du col, bah, il est là parce que je vous remonte le col, le cam-col. Alors je sais bien que tout le monde est débordé. Le cam-col. Que j'ai fait, que voilà, que j'ai imaginé. Bon, bah, personne s'est porté volontaire, tant pis. Et puis voilà, et puis bon, je pense pas que quand même, bah, je pense que les explications, enfin, tout ça pour vous dire, parce que je tourne autour du pot pour pas grand-chose, je vais le mettre en disponibilité, voilà, très, très prochainement. Peut-être que la prochaine fois que je vais vous reprendre, je l'aurai mis en disponibilité parce que. Finalement, si quelqu'un veut le. Moi, j'adore les petites mailles glissées comme ça. Si quelqu'un veut quand même le tricoter avant Noël, faire un cadeau.
eh ben, il sera disponible sur Ravelry. Voilà. À tout de suite pour vous. Bien, voilà. Voilà, un jacquard qui, toutefois, paraissait bien. Donc, mais c'est pas du tout le motif de mon pull. Donc, défaire un jacquard, j'ai jamais fait, mais vu qu'on croise les fils bien comme il faut régulièrement, ben, j'ai pas envie de passer 2 ou 3 jours à les faire. Comme j'ai suffisamment de laine, j'ai une pelote entière. Vous voyez, là, j'ai même pas terminé ma première pelote, donc j'ai une pelote entière pour refaire le jacquard. J'ai encore 4 grosses pelotes comme ça pour le pull. Donc, je vais mettre ce jacquard de côté, prendre mes aiguilles, et puis recommencer dès le début, tout simplement. Et puis, si vraiment j'ai besoin de laine à la fin de mon pull, ben, je serai contrainte et forcée de défaire. Mais là, pour l'instant, voilà, on va rester au week-end, je vais reprendre ce pull. Donc, officiellement, je recommence ce pull le 20 novembre. Voilà. C'est cadeau, hein. C'est la tête de moi au matin, hein. Il fait encore nuit dehors et puis ben je vais reprendre mon patron au début. Merci Nadia, mais merci vraiment, hein. Je suis reconnaissante, hein, parce que je vais le refaire. Je finirai peut-être pas pour Noël, mais c'est pas grave. Je l'aurai pour le mois de janvier, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Je vous raconterai ça plus tard. Bientôt. Alors voilà, un petit retour du CSF où j'étais hier à Paris, donc, et j'ai trouvé ce petit stand de broderie japonaise. Je regrette déjà de ne pas avoir acheté, il y avait des petits trios de broderie, c'était des Jinko, c'était très 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 joli. Je vais passer ma main devant, je vais vous montrer la carte. Donc voici les références. Je vais de ce pas aller voir sur leur site internet. Si je peux, ben je vais sûrement repasser commande. J'ai beaucoup aimé. Donc, très 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 bien ce petit kit. Donc, vous avez le petit carton avec les explications. On peut reproduire le dessin. Donc, ça c'est très bien. Il y avait le petit tambour avec. Donc là, de la Solufix, alors moi j'avais déjà du Solufix, mais là il est autocollant, donc c'est très bien. Je voulais vous le montrer avant de le passer sous l'eau, de le faire sécher. Voilà, et puis il y avait fourni avec donc du fil de soie. Par rapport au fil de coton DMC, j'ai l'habitude. Pas plus, pas moins bien, je dirais même s'effiloche un peu. Mais bon, voilà, c'est une expérience. Et puis, donc, il y avait aussi l'aiguille fournie, ce qui est quand même un bon point. Parce que sur un autre stand, et je vais le commencer tout de suite, j'ai acheté 2 petits kits comme ça, avec des mini-tambours, assez petits. Là, le tambour ne sert pas parce que ça va être du point de croix. Je vous montrerai ça quand j'aurai terminé. Là, par contre, il n'y a pas d'aiguille fournie. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc, pour la petite broderie du jour. Voilà, on est en pleine journée. On est dimanche après-midi.
J'ai pas trop envie de sortir l'anneau là, et puis je pense pas que ça changerait grand-chose. Voilà. Alors donc on est le dimanche 21 novembre. Voilà, et donc le 19 vendredi, j'étais au CSF à Paris. Je regarde parce que là, j'ai déjà fait une petite réalisation, mais vraiment une petite réalisation, que j'ai trouvé à un stand très sympathique. Je regarde parce que j'ai super bien préparé, hein. Mais je vous incrusterai là, si je l'ai là, j'ai la référence. Donc je vous mettrai une petite photo aussi du détail de cette petite broderie que j'ai réalisée. Donc, bien sûr, vous voyez à travers par transparence. Attendez, je vais faire ça. Peut-être comme ça, ce sera mieux. Alors, je connaissais déjà le papier Solufix. Alors, le Solufix qui se fixe, c'est qu'à de le dire, on va dire, autocollant, puis après qui disparaît. Voilà, je vous mets là. Et après qui disparaît à l'eau tiède, quoi. Vraiment sympa. Alors, ce petit kit, je vais l'acheter sur le stand. Eh ben, c'est pas marqué atelier196.com, ça c'est l'adresse internet. Donc je vous remettrai les références, hein, je vais vous les écrire. Donc c'est fait avec du fil au verre à soie. Alors voilà ce qui me reste, hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que ben, on a le modèle, hein, de cette petite japonaise. On a le modèle, on va pouvoir le reproduire sur un tote bag. Sur un jean, sur une veste, voilà, pas obligé de mettre dans le petit tambour, hein. Je pourrais très bien l'encadrer dans un petit cadre, ou voilà, ou faire un point bourdon et le mettre sur quelque chose, je sais pas, peut-être c'est ce que je ferais d'ailleurs, parce que là, bon, je vais peut-être tenir compagnie à mes gnomes, mais c'est pas tellement dans l'esprit automne, hein. Voilà. Donc je le pose plus bas là sur mes affaires pour en profiter quand même quand je viens là. Je voulais vous montrer aussi deux autres petites broderies. Alors cette fois c'est au point de croix, c'est pas mon truc le point de croix, mais franchement pour réaliser cette petite suspension de sapin, j'ai craqué. Et puis il y en a une autre, alors j'ai commencé à la monter hier. Elle est là, parce que vous allez voir ce qui m'est arrivé. Voilà, comme je suis très 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 délicate, j'ai cassé le petit cadre. Il y a eu un accident là, donc j'ai mis un point de colle. Là, je pense que c'est bon depuis hier. Et donc, je vais pouvoir broder mon petit motif qui est par là, qui est là, que je vais vous montrer. Je crois que je l'ai là. À une main, c'est pas pratique. Elle est là, voilà. J'approche. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Voilà, c'est un petit renne. Il y a le petit ruban. Voilà. Voilà, donc pour la broderie que j'ai ramenée du CSF, hein, il y avait des très 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 jolies choses, d'autres merveilles. Puis ben. On hésite toujours, puis après, ben, après coup, on regrette. Hein, mais j'ai gardé les noms des stands qui me plaisaient, et puis ils ont des sites internet. Donc voilà les réalisations de cette semaine. Il n'y a pas eu grand-chose, parce que je me suis consacrée pratiquement entièrement à mon pull Knit Nights de Jennifer Steingass. Que, ben, comment vous dire, j'ai tout recommencé au début. Donc voilà pour la semaine, cette troisième semaine de novembre. Elle aura été pas si productive que ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, il y a des périodes. Allez, à très bientôt. Et voilà, me revoilà. On est le. J'ai jamais la date où l'on est. On est le samedi 27 novembre. Voilà. Alors là, j'ai pas été très 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 productive. Alors pourquoi? Je vous ai montré, je vais vous remontrer, je vais vous remettre une petite photo par là de mon fameux pull. Alors d'abord, je vais vous mettre une photo du pull d'origine. C'est le Knit Nights
de Jennifer Steingass. J'ai acheté le modèle, tout ça. Donc, comme je vous l'ai déjà raconté précédemment, j'avais rien compris. Heureusement, Nadia m'a aidée. J'ai pas défait en fait, c'était indéfaisable. Donc, j'ai recommencé le col, les petits rangs raccourcis derrière, et puis le début de l'empiècement du yoke. Et puis, je fais ça le soir hein, devant la télé. Donc ça se passe bien, je vois que ça s'installe les premiers rangs. Et puis au bout de je sais pas ce qui se passe avec ce patron, ça veut dire que ça sera pas cette année que j'aurai un pull de Noël avec ces beaux, vous avez vu ces beaux sapins. Maintenant je vais vous montrer la photo avant que j'ai défait. J'ai tout redéfait hier. Ouais, non, jeudi soir, et ça m'a quand même pris jeudi soir et vendredi, parce que là j'ai redéfait en décroisant le fil blanc et le fil rouge pour quand même récupérer tout le fil, hein, parce que je vais en avoir besoin. Et puis, je vous montrerai plus tard, parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Alors, ça sera pas ce modèle, mais j'essaierai d'avoir un pull de Noël quand même. Mais entre tous ces déboires, je vous avais montré ma paire de chaussettes faites avec la laine de Action. Il m'en restait 37 grammes. Et puis je voulais me faire des paires de sockets, mais encore plus, pas vraiment rare. J'ai ma petite recette que je vous ai mis à disposition, les choquettes Juliette, où là je monte 12 rangs de côte, 1-1, et après 12 rangs en jersey avec le petit point que je donne dans la recette, et puis bon, tout le reste. Là non, j'ai encore fait moins, j'ai fait 10 rangs, et puis 2 rangs, et après j'ai attaqué tout de suite le talon derrière, voyez. Alors vous avez vu mes super bloqueurs, et eh ben c'est du carton. Je vous inscrisais une petite photo comment je voulais ranger en fait mes chaussettes. Au départ j'avais acheté des bloqueurs sur AliExpress, tellement de mauvaise qualité qu'en enfilant les chaussettes ça s'est carrément cassé. Et puis en fait ils avaient une sorte de comme pour les suspendre, mais pas assez large pour ma tringue à rideau, enfin à ma tringue dans ma penderie. Je vais laisse tomber, on va faire autrement. Et franchement moi je suis contente, comme ça je vois mes chaussettes et puis ça m'incite plus à les porter finalement. Donc revenons à cette paire de laine que j'ai acheté à Action. Donc j'ai fait la première, tout va bien, j'ai fait la deuxième, et puis là vous avez vu que j'avais plus de laine, donc du coup il me restait un petit reste, c'est qu'à de le dire, que j'ai fini d'ailleurs. J'avais fait une autre paire de chaussettes, hein, de la laine pingouin. Bon, pas regardant hein, dans les chaussures, moi c'est pour moi, donc ça me gêne pas du tout. Donc, pour ceux qui... Alors, il y a Emma, la Tricolibri, qui donne effectivement la recette de prendre un set de table et de faire sa chaussette. Mais là, c'est encore mieux, quoi. C'est du carton, hein, c'est de la récup. Hein. Donc, voilà. Et pour pas que ça accroche le carton, et ben tout simplement, autour, j'ai mis du masking tape. Bah, si vous n'avez pas, vous mettez du scotch, hein, tout simplement. Et voilà. J'en profite parce que là, ça y est, hein, c'est bientôt Noël. Donc ça, c'était la laine Hobby. C'est chez Hobby que Christmas Sock, je crois. En tout cas, Chantal de Fraîcheur Mentalo vous en a montré quelques exemplaires. J'avais tricoté ça l'année dernière avec le modèle Julie. Gratuit d'ailleurs sur Hobby. J'avais suivi leur modèle. Donc à faire, c'était avec la même laine. Donc voilà la production de ma semaine en tricot. Voilà, déjà pas mal. Voilà les bloqueurs qui vont se... Ah, c'est une autre paire de chaussettes que j'avais fait l'année dernière. Voilà les bloqueurs qui sont de mauvaise qualité. Et voilà, quoi. Donc, voilà pour les chaussettes. Voilà pour le tricot. Et puis, alors, ces chaussettes-là, par rapport au stade de la semaine dernière... je les ai tricotées en 2 et le reste, enfin en 2 les côtes et en 2,25. Je trouve que c'est mieux par rapport à cette laine de Action. Du coup, j'avais acheté deux pelotes chez Action. Alors j'arrête pas de faire des petits clins d'œil, là je vais faire des clins d'œil à Pauline Mysticis Fibrae. Si toutefois elle regarde cette vidéo, elle reconnaîtra
La laine, d'ailleurs, c'est elle qui m'avait donné l'envie d'aller essayer ces laines. Donc, j'avais acheté ces deux pelotes. Et cette deuxième pelote, finalement, donc là, j'ai monté mes côtes. Je vais faire... J'y pensais déjà depuis un moment. Et c'est super, Sofiana de Sautricot a sorti un petit tuto, il y a déjà peut-être une bonne quinzaine de jours. Il nous montre comment en faire, et ben on tricote tout le tube, on coupe, etc. Donc comme là, dans une semaine, je vais partir en voyage scolaire, peut-être. Je vais avoir de l'avion, du bus, etc. Je me dis, j'emmène juste ça, je tricote au rond, voilà. Et puis voilà, hein, parce que pendant une semaine, sans tricot, c'est pas possible. Donc j'emmènerai ça. Voilà, et puis pour revenir sur le CSF, pendant qu'on est dans le tricot, je voulais vous montrer, parce que jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas vous les montrer. Alors, c'est de la laine. C'était dans un stand où il n'y avait que des choses anciennes, de la récup, etc. Et j'ai acheté, alors, ceci. Voilà. Alors, j'aurais pas pu vous les montrer avant. Alors, c'est de la laine qu'elle a qualifiée Médicis. Vous, vu l'épaisseur, vous allez me dire que c'est de la lace. C'est de la pure laine. Voilà. Alors, l'idée, je fais ça parce que ça sentait tellement le renfermé, le vieux, que j'ai laissé ça 8 jours dehors sur le rebord de ma fenêtre. À la pluie, au vent, machin... un peu mieux. L'idée, peut-être, parce que là j'ai 1400, j'ai tout pesé, j'ai 1400, si je pars sur un métrage de laine dentelle, hein, j'ai 1400 mètres, ouais, je crois que j'ai 1400 mètres de fil. Soit ça peut faire un dégradé avec un autre fil lace mohair cette fois pour faire un pull, soit ça peut faire un châle, en tout cas, voilà, ça sera marié avec un autre. Avec un autre fil. Alors, la dame m'a pas dit fil dentelle. Enfin, si, elle m'a parlé de fil dentelle. Elle m'a parlé de laine Médicis, hein, la vieille appellation. Alors, je suis allée voir laine Médicis sur Internet. Effectivement, DMC a fait de la laine qu'il a appelée laine Médicis pour du fil à broder. Après, bon, j'ai pas poussé plus loin l'investigation. Je veux dire, hein, c'est nickel. Bon, voilà, je voulais vous le montrer quand même, c'est ce petit achat. Et puis, pour parler de laine, avant de passer à ma petite réalisation au crochet, eh bien, hier, j'ai une collègue, amie, qui m'a dit, on est sorti, on allait boire un petit coup, et puis, en sortant, elle me fait, attends, j'ai quelque chose pour toi dans mon coffre. Je vous montre la photo. Donc c'était un carton, vous avez vu, assez grand, plein de laine. Dit oui, ma femme de ménage, elle a vu ce que tu faisais, vous savez, le petit lutin que j'ai fait, c'était pour son petit-fils et tout. Elle a dit, ouais, voilà, elle a récupéré toutes les laines de sa maman, elle te les donne. Alors certains pourraient penser que ce sont des cadeaux empoisonnés, hein, les petits pelotons, etc. Moi, je prends, hein, avec plaisir. Alors ce matin, je vous montrais une photo, j'ai tout mis par terre. Après, j'ai trié par couleur. Et puis avec ma fille, une de ses copines veut faire une couverture au crochet, donc elle a pris les couleurs qu'elle voulait, voilà. Il me reste encore un gros sac, je sais pas, peut-être que un certain club de tricot à Chavravine sera peut-être preneuse, on verra. Je vais chercher ce que moi j'ai gardé. Alors, je disparais. Hop là, je fais un petit peu de bruit. Voilà, voilà ce que j'ai gardé. Alors, j'ai gardé ceci. Vous voyez, j'en ai... je crois que j'ai de quoi... J'ai pesé, mais il faut que je repèse. Hein. Je crois que j'ai de quoi faire des jolies moufles, un bonnet. Vous voyez, la texture. Voilà. Donc ça me plaît. Et puis là, j'ai du fil. Là, c'est de la laine. Hein. Par contre, la laine, je vais vous montrer une autre. Je crois que j'ai 600 g de laine. Vous voyez, ça a été détricoté. Un gris. Écoutez, je pense qu'il y a de quoi faire un gros pull.
600 g de laine avec cette épaisseur. Il faudra que je me lance dans les calculs, ce qui n'est pas mon fort, mais je pense que j'ai de quoi faire un gros pull. Donc j'ai gardé. J'ai récupéré aussi ces petits bouts de laine, parce que comme je fais une couverture que je reprendrai sûrement en 2022 pour faire des petits carrés, vous savez, memory blanquette, je me disais que ça serait pas mal. Cette laine à chaussettes, acrylique, laine, je me dis tiens, si ça pourrait être pas mal pour faire des petits carrés. Donc j'ai ça. Et puis j'ai gardé aussi ces deux pelotes. De quoi faire des petits projets. Cette pelote chinée. Voilà, peut-être dans ma couverture. Voilà, j'ai. Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? Ah oui, là, j'ai un petit sac qui fait du bruit, celui-là. Où j'ai récupéré pour des amigurumi. Vous allez comprendre le thème. Je pense que c'est facile à comprendre, le thème. Hein, on s'approche de Noël et là, on est dans les couleurs. Là, il y a du coton, il y a de la laine. Mais là, j'ai fait un petit sac qui va comment dire, rejoindre mes cotons hobby de laine pour faire des petites amigurumi de Noël. Puis voilà. Donc voilà ce que j'ai gardé. Je vais arrêter, ça fait trop de bruit. Tout le bazar là. Voilà ce que j'ai gardé. Et puis oui, j'avais encore une bêtise à vous montrer. Parce que c'est vraiment une bêtise. Hein. Attention, c'est moche. Mais je vais vous montrer quand même. Parce que c'est rigolo. Hier, je finis un petit sac de pommes de terre. Vous voyez le filet? De 500 grammes, ça c'est dédicace à ma maman parce que je crois qu'elle n'aurait jamais acheté un petit. Enfin bon, non, on ne mange pas beaucoup de pommes de terre. Et puis alors, à l'intérieur, c'est les. Je garde en fait pour bourrer des fois des gros objets, c'est ce que la surjeteuse coupe, hein, tous les petits fils de la surjeteuse, morceaux de tissu. J'ai bourré ça, j'ai pris un fil, un coton perlé, je l'ai saucissonné comme une citrouille, j'ai laissé la petite accroche là, et je vous tiendrai au courant pour la salle de bain, juste comme ça, pour frotter. Voilà. Récup quoi, hein, encore une fois, ça fera le temps que ça fera. Hein, voilà. Des petits trucs comme ça, on est en train d'éplucher les pommes de terre, le filet, hop, hop, on monte, on fait ça. Ça m'a pris 5 minutes. On est d'accord. Et puis, enfin, je vais terminer par le crochet. Vous voyez déjà la tête de mon petit ange. Alors là, j'ai tout fait en coton 8-4 de Rainbow. Le petit ange, alors c'est toujours le compte gratuit sur Instagram. Par contre, je vous mettrai alors ce compte gratuit d'Instagram. Cherche et pioche dans tous les autres comptes qu'ils vont trouver de gratuit. Et publie des modèles, voilà, jour après jour, hein, continuellement. Alors moi, je mets en capture d'écran, et puis j'ai des modèles. Et puis voilà, je voulais faire un petit peu de crochet. Ça prend quand même, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Donc voilà. Bon, vous voyez, les ailes sont pas, faut les mettre un petit peu en forme. Une fois que c'est posé, on le met en forme. J'ai un peu de mal sur les ailes, hein, je vous avoue. Voilà. Bon, ce sont des modèles souvent en anglais. Alors là, il y a eu des petites. Voilà. Mais j'adorais faire le chignon. Pourrait se transformer d'ailleurs, si on enlève les ailes, ça pourrait se transformer en changeant les couleurs en petite, une petite japonaise. Voilà, je trouve que. Donc voilà pour le petit ange. Voilà, alors j'aurais aimé vous montrer une broderie, peut-être que je vais attendre de finir le montage et je vais peut-être faire le montage de tout ça avec toutes les photos parce que ça prend du temps. Et puis, genre le lunettes parce que je me vois moins flou, pas vous, surtout moi j'arrête pas de voir les reflets dans la lunette, ça m'agace un petit peu. Donc oui, je reprends mes idées. J'aimerais bien vous montrer cette broderie que je suis sur le point de terminer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, deux comptes que
que j'ai découvert, deux podcasts que j'ai découvert récemment. Le premier, c'est Sacré Mimi. Ça, C-C-D-A-C-R-E, C-R-E, et puis Mimi. J'aime beaucoup. Elle tricote pour sa fille, pour elle. Voilà, j'ai vu beaucoup de E-Long avec Anna. Hein, donc, si vous êtes fan et que vous voulez voir ce que ça rend, allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Donc, je vous redis Sacré Mimi. Et puis là, et pas plus tard que ce matin, j'ai découvert un podcast de Christaël qui s'appelle. Ah, je vais vous remarquer parce que, comme c'est ce matin, alors, le prénom c'est Christaël. J'ai un trou, je vais vous le marquer. Donc, quand je découvre comme ça quelqu'un, j'aime bien aller au début pour découvrir la personne et puis remonter les podcasts. Alors là, comme il y en a 6 ou 8, voilà, je les remonte. Hein. J'en suis à mon deuxième. Quel talent déjà. Hein, quand je vois que je galère avec mon jacquard, elle a un pull dans le deuxième. Là, waouh, je suis tombée en amour sur ce pull hein, qui est de. Je ne suis pas dans de bêtises, je ne sais plus si c'est Mademoiselle Petroni ou. Non, je crois pas. Je ne sais plus. Enfin bon, allez voir déjà le numéro 2 là, pas le dernier bien sûr, puis tous hein, si vous voulez. Donc voilà, c'est les deux dernières chaînes que j'ai beaucoup regardées cette semaine. C'est toujours autant de plaisir de regarder les aventures de Pauline de Mystice Fibrae. C'est marrant parce que elle tricote, je pense qu'elle doit. À avoir bien avancé sa chaussette, j'ai hâte de voir son vlog podcast. D'ailleurs, c'est un peu elle qui m'inspire en ce moment. Puis je voulais changer un peu le format. Alors moi, c'est un vlogcast. Voilà, ça va être un vlogcast sur ce coup-là. Il y a du vlog, hein, c'est régulier. Et puis c'est quand même sous forme de podcast. Eh bien, écoutez, à tout de suite pour vous. Voilà, j'ai pas mis très très longtemps à revenir. Nous sommes donc le dimanche 28 novembre. Et je viens vous montrer, parce que Marie-Astrid a sorti ce matin le calatrape rêve sans motif du mois de novembre, qui est un petit renard. Donc je l'ai réalisé avec ce que j'avais sous la main. Vous avez compris, j'ai quand même pas mal de petits pelotons de laine. Donc c'est pas vraiment... Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, je l'ai donc réalisé avec mes petits pelotons que j'ai récupérés vendredi soir. Donc ça brille. Hein. Donc voilà, j'ai fait donc le petit renard pour le mois de novembre. Et puis, il y a peut-être une dizaine de jours, Marie-Astrid, donc des Canal Ketos, a sorti le motif du mois de juillet. Je vous mettrai en incrustation par là. Et ce sont c'est très 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 breton. Alors la personne à qui je vais l'offrir a des origines bretonnes. Mais comme c'était le mois de juillet, j'avais quand même envie de plus de fleurs. Donc du coup, ça m'a donné des ailes hein, de voir tous ces motifs. Je me dis, je vais m'en faire un peu. J'ai vraiment fait. Ah, je suis partie, j'ai improvisé et j'ai fait seulement un motif très. Ouh, que ça m'embête, c'est. Voilà, j'ai fait une fleur. Donc je suis partie du centre, blanc. Après j'ai changé de couleur. Bon, vu que le reste de la famille n'était pas au courant que j'étais en train d'enregistrer, j'ai dû faire une petite coupure. Mais revoilà, donc avec le motif du mois de juillet, celui-là, c'est le personnel. Je n'ai pas pris de notes. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. Hein. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, donc je suis partie du centre, je vous disais, jusqu'à, des choses pas très très compliquées. Et j'ai fait, je ne vous saurais pas dire comment, j'ai fait les motifs des feuilles. J'en ai fait deux, je les ai joints, j'ai continué à faire le bas, comme ça. Donc j'ai fait deux motifs comme ça. J'en ai fait un deuxième, je les ai joints, puis j'ai continué avec une petite chaînette et des mailles serrées. Voilà, donc comme ça, je suis à jour, hein, complètement à jour. Et puis hier, je vous avais dit que je reviendrais pour vous montrer ma broderie. Alors cette broderie, c'est particulier. Donc ma fille hein, qui a un compte Instagram, Césadro, donc je vous remets son compte Instagram, a une passion hein, depuis quelques années, c'est le dessin. Le manga, enfin tout ça. Donc je lui dis, écoute, j'aimerais bien broder un de tes dessins.
Donc, elle m'a donné son dessin que j'ai essayé de reproduire à la tablette lumineuse. Alors, évidemment, il y a beaucoup moins de détails que ce qu'elle a dessiné. Voilà. J'ai fait tout en noir. Des fois, j'ai pris donc. Alors, le coton que j'ai utilisé, c'est le coton que j'ai trouvé cet été chez Toto. Il demandait du fil à broder, j'avais pas de noir. Je dis, oulala. Donc, c'est depuis cet été que j'avais envie de faire cette expérience. Donc, c'est du coton comme DMC à 6 brins. Donc, je les partageais en deux à chaque fois. Alors, pas tout le temps, hein, pour les yeux, par exemple. J'ai pris qu'un brin de fil à des petits endroits. J'ai pris un brin de fil. Donc, voilà la broderie qui m'a occupée. J'avoue que j'avais hâte de la terminer hein, pour me remettre aussi à la couture. Hein. Vous voyez par là, il y a des petites choses hein, qui sont laissées en plan. Parce que j'avais aussi envie de commencer ce mois de décembre. Me consacrer plus à mon pull. Et puis, voilà, je le mets là. Me consacrer plus à mon pull, faire un petit peu de couture. Avant les vacances de Noël. Donc voilà, là vous m'aurez suivi mes petites créations tout mois de novembre, hein, du coup, parce que la semaine prochaine on va rentrer dans le mois de décembre. Donc comme je l'ai dit hier, ça a été un vlogcast. J'espère que ça vous aura pas trop perturbé de voir un coup du crochet, un coup du tricot, un coup de la broderie. Enfin voilà, donc c'était mes petites occupations du mois de novembre. J'espère que vous êtes toujours là. Si c'est le cas, ben, je vous en remercie. Je vous dis ben, à très vite, je pense, ben, très vite. Je pense vous faire un petit coucou quand même avant les fêtes de Noël. Voilà, en attendant, ben, amusez-vous bien parce qu'on a envie de faire plein de choses. Hein. Il y a plein de podcasteuses qui sortent toutes des petites choses à faire pour Noël, notamment Chantal de Fraîcheur Mentalo qui a sorti des petits cosy. Je ne vais pas résister, je pense que ça va venir m'aérer un petit peu par rapport à mon pull et que j'en ferai sûrement. Voilà, je vous dis eh ben, au mois de décembre et en attendant, amusez-vous bien.